Des nouvelles du litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, le PSG qui fait appel. Oui, la LFP a tranché la semaine dernière, je le rappelle, en faveur du joueur. Il demandait au club de lui verser 55 millions d'euros de salaire et de primes impayées. Le PSG avait jusqu'à ce soir pour régler la note. Voici le communiqué. La position du PSG est bien plus qu'une position juridique fondée. C'est aussi une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters qui est plus importante que n'importe quel joueur. Le contrat original a été légalement modifié et également pleinement respecté par le joueur et le PSG jusqu'à ce que le joueur décide de revenir sur tous ses engagements en quittant le club. L'affaire sera donc désormais portée devant un tribunal approprié. Merci beaucoup Virginie. C'est incompréhensible. Allez-y Hervé. Oui, s'il était légalement modifié. Ils sont allés devant les juridictions. Il n'est pas signé. Ils ont pas légalement modifié. S'il n'a pas été signé, ouais. S'il n'y a pas d'avenant. Donc on ne signe pas les contrats de travail. Voilà, en fait. C'est ça. Juste, Benjamin Quarez, on rappelle que vous suivez le PSG pour le journal Le Parisien. Vous pensez que ça va terminer comment cette histoire? Au payé. Au prud'homme. Voilà, oui. Là, personne ne voudra lâcher le bout de gras. Donc Et s'il y a un contrat? Comment ils vont faire pour ne pas le payer? On est un accord moral avec un accord contractuel. Ça n'a pas de sens. Ils vont aller jusqu'au bout. Mais cet accord moral, Benjamin, vous qui connaissez bien le Paris Saint-Germain, il a vraiment existé? Pourquoi il y a eu un revirement de situation? Parmi les arguments qui sont avancés par le Paris Saint-Germain, il y a effectivement cette discussion après le loft où il a été envoyé. Quand il a manqué la tournée. Voilà, exactement. Et aussi une prise de parole après un match en zone mixte où il dit tout le monde en sortira gagnant, en gros. Avec là, ce qui a été réglé. C'est des paroles. Avec l'accord. Voilà. La grosse difficulté, c'est que je ne suis pas juriste ni avocat, mais. Pourtant, tu parles très bien. De ce que j'ai cru. Tu aurais pu être avocat. Tout à fait. De ce que j'ai cru comprendre, il y a effectivement une vision anglophone qui est celle de Nasser Al-Khelaifi et de son entourage qui n'est pas la même que celle qu'on a, nous, en France. Et a priori, la valeur morale aurait un peu plus de sens sur l'aspect pénal du côté des anglophones. Parce ils appuient là-dessus et sur cet argument-là. Mais, quand du côté de Kylian Mbappé, on se dit mais non. Pas du tout, c'est un procès qui a lieu à Londres ou c'est un procès à Paris? Mais parce qu'on ne signe pas les contrats de travail en Angleterre, ça veut dire qu'en Australie, on ne signe pas les contrats de travail. Non, mais c'est du flan. Parce que sinon, pourquoi on se fait chier avec des contrats? On se serre juste les mains et c'est tout. Aux États-Unis, on ne fait pas. Non, mais normal, où il y a un avenant qui est signé par les deux parties, ça nous est tous arrivé. Mais sinon. Non, mais c'est vrai que le droit n'est pas le même, mais le problème n'est pas de savoir si le droit est le même en Angleterre ou en France, puisque c'est en France que ça se passe. Je veux bien qu'en Angleterre. Ça permet de comprendre la position du club qui est. La position du club, elle est simple à comprendre. Ils veulent payer 50 millions. Dans le communiqué de Paris, on a vu qu'entre guillemets, il mettait l'image du joueur risque d'être. Mais lui, entre guillemets, il n'en a rien à carrer. Il a 50 millions à récupérer qui sont sur un contrat. Fin de l'histoire. Quoi. Et si ça met 3-4 ans pour l'avoir avec les prud'hommes, il attendra. Et puis, Juste, Pia, par rapport à la position du club, bon. Le PSG a beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'il soit, et ça peut choquer, à 50 millions près. Comme Mbappé, d'ailleurs. Ça, c'est son contrat. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le club se met dans cette situation s'il n'y a pas eu un engagement avec Mbappé. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu des discussions. Il y a certainement eu des discussions. Il y a peut-être eu un engagement oral. Maintenant, moi, ce que je peux faire, c'est vous apporter ce que j'entends autour de moi par les supporters. Il y a beaucoup de supporters qui trouvent naïf Nasser, parce qu'ils se disent, mais comment il a pu laisser le club s'engager sur un truc aussi important en ayant seulement la parole d'Mbappé et de son entourage. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ont déjà eu des problèmes avec leur propriétaire, le propriétaire de leur appart ou de leur maison, se sont dit un jour, bon, tu sais quoi, je vais arrêter de payer mon loyer. On nous a toujours dit, surtout ne fais pas ça. En droit, c'est complètement infondé. Même si tu mets l'argent de côté, que tu le gardes, tu le coffres pour le jour où tu devras le payer, ne fais pas ça. Donc, ça paraît complètement hallucinant qu'un club se permette d'arrêter de payer le salaire de son joueur. Oui. Si tu as un conflit avec lui, tu vas devant la justice, mais tu n'arrêtes pas de payer le salaire. Moi, j'entends beaucoup de supporters. Il y en a qui disent, faut pas payer, nanana. Il y en a aussi plein qui disent, mais payez-lui son salaire et laissez-le partir. Mais c'est une histoire, c'est de la com. On est dans la com. On est dans l'ego. Pour Nasser Al-Khelaifi, il est hors de question. Les deux, Mbappé, pareil. Je me permets là-dessus, je trouve qu'on commence à avoir quand même beaucoup de cas
qui sont problématiques à cause de l'ego de Nasser Al-Khelaifi. Je respecte énormément le président du Paris Saint-Germain, mais entre le Parc des Princes, où il ne parle plus à Anne Hidalgo, Mbappé, avec qui il est en conflit ouvert, Rabiot, avec qui ça s'est mal terminé, honnêtement, on ne compte plus le nombre de personnes avec qui il y a eu des conflits vraiment violents. Quoi. Ouais, donc, à un moment, voilà, si on pouvait passer outre l'ego, ce serait bien aussi.